Il s'agit des reliques de Sainte Rose de Viterbe, 1235-1252. Pauvre parmi les pauvres, Rose fait partie du tiers-ordre franciscain. Elle s'adonne très jeune aux œuvres de charité. Elle voulait aider les pauvres et les servir. Elle s'est endormie dans la paix de Dieu à l'âge de 17 ans. Sainte Marguerite Marie à la coque, 1647-1690. Après de longues maladies, puis celle de sa mère, Marguerite Marie entre au monastère de Paray-le-Monial, où elle prend la vie de visitandine en 1671. Elle reçoit plusieurs messages du Christ qui l'invite à faire connaître son amour débordant aux hommes et aux femmes. Elle naît au ciel le 17 octobre 1690 à 43 ans.
se perpétue en ce lieu monte vers Dieu comme un parfum agréable. La longue fumée exprime notre grande et fervente prière.
Les cierges qui entourent l'autel vont être allumés pour honorer Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui par sa parole et le témoignage d'amour de sa vie, de sa mort et de sa résurrection, est lumière des nations. Que resplendisse dans l'Église la lumière du Christ et que parvienne à tous les peuples la plénitude de la vérité. Maintenant, la première célébration eucharistique va donner à l'autel sa destination définitive. Saint Jean Chrysostome dit: cet autel est digne d'admiration parce que, étant une pierre par sa nature, il devient saint après avoir reçu le corps du Christ.